Alors, petit débriefing vidéo. Bon, depuis hier soir, j'ai pas fait de nouvelles vidéos parce qu'en fait, j'ai rencontré Pascal, un gars super cool au bord du plan d'eau de Digne, la dernière vidéo. C'était un Zikos, il avait la batterie dans le camion. Je mettrai des photos, j'ai fait une photo de ça. Donc, on a fait un petit bœuf, on a bien discuté jusqu'à 11h, 11h30, même minuit. Après, j'ai demandé s'il connaissait un endroit, un plan pour dormir ou quoi. Et du coup, bah, il m'a dit de passer chez lui, il m'a mis un matelas par terre, et voilà, bah, j'ai dormi chez lui hier soir, c'était super, super sympa, on a parlé, bien, bon, j'ai pas hyper bien dormi, parce que bon, comme c'est la première fois que je fais ça, j'étais pas trop à l'aise, j'étais un peu le petit stress, quoi. Et après, bah, ce matin, on s'est levé peinard, il m'a offert le petit déj, il m'a aussi offert de quoi manger à ce midi-là. Et il m'a amené à la sortie de Digne, où j'ai pu faire du stop pour reprendre ma route. Là, donc, un papy m'a pris en 4x4 de Digne jusqu'à Barème. Et après, à la sortie de Barème, j'ai refait du stop. Et là, il y a un gars qui m'a pris en camionnette. Bon, il était sympa, mais pas hyper sympa quand même. C'est le moins sympa de ce que j'ai croisé là. Et bon, il m'a dit, je m'arrête à Saint-Julien-du-Verdon, je mange, et puis. Si tu veux, tu m'attends et je descends entre vous, ou alors tu peux refaire du stop, c'est comme tu veux. Donc, bon, ben, moi, du coup, j'en profite pour faire un petit tour de Saint-Julien-du-Verdon et puis je regarde un petit peu les images, je fais le débriefing vidéo. Et voilà, quoi. Après, j'attends, j'espère qu'il ne m'aura pas oublié. Bon, sinon, on verra bien. Sinon, on se remettra au bord de la route et rouler jeunesse, bref, enfin, vieillesse, c'est pour moi, bien sûr. Et voilà, et bien. Ben c'est plutôt positif, j'ai tout réussi les objectifs que je m'étais fixé, faire du stop, oser faire de la route en stop, oser aller demander à manger chez les gens au culot, oser aller demander à dormir, voilà, les trois objectifs sont remplis. Donc bon, selon comment ça tourne, peut-être je vais redescendre chez moi ce soir à Nice et pour un peu digérer toutes les émotions que j'ai reçues depuis hier matin. Bon, ça m'aura fait 2 jours de road trip, une nuit chez l'habitant. Pour une première, je trouve que c'est pas mal. J'ai dû faire 300 bornes en tout, donc si j'arrive à Nice ce soir, donc bah, je serai content. Voilà. Bon ben, écoutez, à plus tard.